Des barrettes, mais moi, avec des dissipateurs de chaleur. Juste pour le fun. Juste pour faire beau. Peut-être que c'est un gadget. Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons parler des barrettes mémoire, plus précisément des radiateurs sur des barrettes mémoire. Ok, je tiens en main deux barrettes condensées à la même fréquence, l'une avec des dissipateurs et l'autre sans dissipateur de chaleur. Donc, lorsque vous utilisez les rames avec des dissipateurs de chaleur dans votre config, c'est très avantageux pour vous parce qu'elles possèdent des radiateurs ou encore appelés des dissipateurs au cas où vous faites des travaux un peu poussés, vous demandez beaucoup d'efforts à cette mémoire RAM-là. Les dissipateurs sont là pour optimiser, pour rafraîchir cette mémoire. Par contre, l'autre barrette sans dissipateur de chaleur, voilà, on sait tous, hein, lorsqu'elle est trop sollicitée, elle va se chauffer, après elle va cramer. Si vous utilisez votre machine mais pas à fond et vous sollicitez pas trop votre RAM, vous pouvez utiliser des barrettes sans dissipateur de chaleur. Mais pour les professionnels qui font la réalité virtuelle, la réalisation 3D, qui sollicitent beaucoup comme les gamers, nous vous recommandons de prendre des mémoires RAM avec des dissipateurs de chaleur. Parce que ça vous permet d'optimiser et de gagner en temps dans la réalisation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de communication et de partager cette vidéo afin de bénéficier davantage de nos vidéos. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain pour une nouvelle capsule.